La marque Alpine, c'est la légèreté et la sportivité. La légèreté dans un sens quasiment philosophique qui représente tout ce que l'expérience peut apporter dans le plaisir de conduite. Le rôle de l'ingénierie d'Alpine Car, c'est de développer les voitures de route d'Alpine et les technologies innovantes qui vont permettre d'assurer leur sportivité. L'innovation, ça a toujours été un des moteurs pour Jean Redélé. Dès le départ, Jean Redélé s'est beaucoup appuyé sur les organes, sur les technologies du groupe Renault pour pouvoir se concentrer sur ce qui était important pour maximiser l'efficacité, l'innovation et le plaisir de conduite de ces voitures. Et en particulier, il a beaucoup travaillé la légèreté. Dès la 106 de 1955, avec sa carrosserie en fibre de verre, qui était une innovation pour l'époque et qui a permis de faire des voitures plus légères. On peut citer en 1958 la 108 avec le châssis poutre qui a permis d'accroître la rigidité de la voiture tout en la gardant très légère. Et ensuite, sur la berlinette, il a utilisé ces technologies, il les a optimisées au maximum et en plus, la voiture avait une esthétique très réussie qui a assuré sa compétitivité et son succès. Les premières Alpines, c'était des voitures qui étaient très très proches de voitures de course finalement. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on voit que l'ADN de la course, il est présent dans les produits qu'on met dans la rue. C'est vraiment très très important de garder cette synergie entre la compétition d'un côté et les voitures de route qu'on fait. Ces échanges entre Alpine Racing et Alpine Cars, c'est quelque chose qui est à la fois historique, mais qui motive aussi les équipes. Sur le développement de l'Alpine A110 actuelle, on a travaillé étroitement et on a mis à contribution Alpine Racing en utilisant à la fois leurs moyens de calcul et de simulation numérique pour le dimensionnement thermomécanique du moteur, mais aussi leurs moyens physiques et notamment les moyens de métrologie. Pour la 110 actuelle, nos ingénieurs ont encore beaucoup travaillé l'allègement et c'est passé par une carrosserie, une structure entièrement en aluminium, assemblée par un procédé de rivetage et de collage, qui sont des technologies réservées aux voitures d'exception. Une A110, ça fait 200 à 300 kg de moins que ses concurrents et en même temps avec une très bonne qualité d'aspect. Je crois que l'expertise qu'on a accumulée ici chez Alpine Racing, ça fait longtemps qu'elle contribue à la qualité de ce qu'on fait et aux produits qu'on peut mettre dans la rue, notamment l'électrification. On a encore une fois, on a la maîtrise totale ici chez Alpine Racing puisqu'on a totalement intégré la conception de la chaîne de traction électrique. Je suis en charge du produit chez Alpine, ce qui veut dire comprendre les clients auxquels on s'adresse et accompagner l'ingénierie, le design dans cette relation aux attentes clients. Le monde change, les clients aussi évoluent avec ce monde et on a de nouvelles attentes qui émergent, qui arrivent. Alors il y a des attentes sur la durabilité de nos voitures, au sens décarbonation, impact sur l'environnement. Le passage à l'électrique, c'est plus une question, de toute façon, c'est une nécessité. Les deux principaux challenges quand on passe de véhicules thermiques à des véhicules électriques, c'est l'ajout de masse, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qui est l'ADN de la marque. Donc il y a l'enjeu de conserver l'agilité historique de la marque Alpine tout en ayant à gérer une surmasse ou un surpoids. Donc là, on a des systèmes pilotés qui permettent d'aider, de faciliter les véhicules à se comporter de façon agile, en dynamique. L'un des principaux systèmes sur lesquels on a travaillé récemment, c'est l'Active Torque Vectoring. C'est un système piloté qui permet d'avoir une gestion précise et différenciée du couple à la roue, donc pour arriver à faciliter en fait le comportement du véhicule en dynamique. Moi, la première fois que j'ai conduit sur route une A390, en fait, ça m'a rappelé d'anciennes sensations lorsque je suis passé des skis droits aux skis paraboliques. On retrouve cette agilité, cette facilité qui donne en fait un plaisir immense. Et la deuxième, c'est l'aspect acoustique, parce que passage du monde du thermique à l'électrique, on perd la musicalité du moteur thermique. Arriver à recréer une dimension sonore et acoustique qui quelque part transcende le comportement de la voiture, c'est un véritable challenge. L'objectif, c'est de donner au client une dimension supplémentaire sur le comportement dynamique de la voiture au travers du son. La technologie électrique ouvre de nouveaux horizons.
Elle permet par exemple une répartition des masses meilleure parce qu'on peut mettre des masses lourdes très bien positionnées dans la voiture, basses, proches du centre de gravité. Mais ça permet également, grâce au moteur électrique qu'on sait piloter à la milliseconde quasiment, de justement d'introduire des stratégies de pilotage que l'on ne pouvait pas avoir avec le thermique. On vient d'investir dans un nouveau banc de simulation dynamique véhicule. C'est la même chose que ce qui est utilisé, par exemple, en Formule 1 ou en sport automobile. Et c'est la même approche qu'on est en train de mettre en place pour le développement des futurs véhicules. On est en train de créer, autour d'Alpine Racing, Hypertech Alpine, qui est une structure de haute technologie, une vraie vitrine pour l'ingénierie du groupe Renault, et d'Alpine évidemment en particulier. Et ça, ce sont vraiment les gens qui font aujourd'hui les moteurs de Formule 1 et qui s'impliquent sur l'endurance, par exemple, entre autres, hein, qui vont contribuer demain à ces projets groupe Renault. Ça passe forcément par le développement de nouvelles technologies. Ça passe aussi par des façons de raisonner qu'on utilise en compétition, qui sont quand même assez différentes finalement de ce qu'on peut voir dans l'industrie automobile, pour sortir du cadre en fait, hein, et penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais. Et ça, je pense que c'est vraiment important et ça peut donner de très belles choses. En tout cas, j'en suis convaincu. On est en train de développer ici, chez Alpine Racing, le moteur de la future supercar Alpine. Et ça, c'est très, très prometteur. On va voir là le vrai transfert de la technologie, du savoir-faire des gens de la F1 et de l'endurance vers une voiture qui va être homologuée sur la route. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire.